בוקר טוב בשם ה', נעשה ונצליח. נסו דימון שמתם ונקה דימוות דה אבריל ונטרווה דימוות דה ניסן. שיעור השתי שומתם בעזרת השם יתברך פר אליאן חנה שיש. שם עורכותה ובכל השאלה כג'לבני סרטוס לשלמה פעול לאזכרה. דה סממון, ג'רמן, מימה, חמסה, בת אמה, רוח השם תנחנה בגן עדן, אלהים וכל השרבות עמה בכלל הרחמים ועשה לוחות. וכן יהי רצון ונאמר אמן, תהיה נשמתה צרוך חיים, מקלמירית וסטתוד. Bezrat Hashem Idbarach, du Baal Shemtov, puisque nous sommes dimanche matin, on a l'habitude de raconter des sipourim sur le Baal Shemtov, des beaux récits, qui réavivent la Mouna Bezrat Hachem, et qui auront un rapport, bien entendu, avec la journée d'aujourd'hui, puisque c'est la Mimouna partout dans le monde, en tout cas chez les Marocains, c'est quelque chose de. Euh, Annuel, même si beaucoup d'autres le mettent en pratique, c'est une très très belle journée en espérant que de bonnes nouvelles pour vous tous, Bezrat Hashem, et que le mérite de notre maître, Rabbi Israël Ben Sarab, Eliezer, Yagan al kolam Israël. On commence tout de suite cette histoire, puisque vous savez que nous sommes un petit peu dans la journée de. de, de nous avons dépassé donc déjà deux tiers du mois de Nissan en espérant la Geoula. Et donc, on attend encore le machar On est Maamin et Munash le que le Melchamasher peut encore venir ce mois, mais ça dépendra de, comme je l'ai expliqué hier dans la D'etekneset de Tzedvav, que Dieu bénisse cette merveille aussi, merveilleuse communauté aussi que nous avons là-bas grâce à Dieu. Eh bien, qu'il y a deux mitzvot aujourd'hui sur lesquels nous sommes obligés de travailler plus que tout au monde, comme on l'a expliqué dans les textes, selon le Gaon de Vilna et bien d'autres commentateurs, il y a deux choses qu'il faut absolument prendre sur nous. Comme c'est marqué d'ailleurs dans le livre Col à tort, pour ceux qui le connaissent, Duravilel, l'élève du, du, du Gaon de Vilna, c'est la Hardout qui est impérative pour la Géoula, la joie de vivre dans la Hardout, Be'ezrat Hashem, et la Alia en Eret Israël, selon le Gaon de Vilna et beaucoup d'autres commentateurs. Et comprennent sur nous la misva de juger vraiment les Kafsrout, chaque juif que l'on rencontre, de le relever au lieu de le tuer constamment par notre mauvaise bouche. Le Baal Shem Tov, le a été un des premiers à avoir, euh, on va dire comme ça, dans le domaine de la Seudat Mashiach, et il y en a qui expliquent un petit peu dans le domaine de la Mimouna, on verra un petit peu de quoi on parle, avait décidé de tout faire pour faire venir le Melech HaMashiach. Dans toutes les générations, comme on le voit, par exemple, la seder avec Rabbi Akiva et tous ses amis qui sont dans la ville de Bnebrak, pas Bnebrak ici, Bnebrak c'est dans le Tzafon, c'est la ville des convertis, selon certains commentateurs, de faire venir le Melech HaMashiach. Et le Mashiach de cette époque, à l'époque du Baal Shem Tov, tout le monde le sait, c'était le Rahim Akadosh, Rabbi Israël, Rabbi Chaim Ben Elgen Kolam Israël. Et le Baal Shem Tov, ainsi que Rabbi Chaim Ben Attar, qui vivait lui en Israël, tandis que le Baal Shem Tov vivait en Russie, et eh bien communiquait Beruah HaKodesh. Ils partageaient leurs études, ils communiquaient ensemble. Et le Baal Shem Tov avait décidé de prendre une initiative un petit peu ambiguë. C'est qu'il avait décidé de rejoindre le Rahim Akadosh pour qu'ensemble leur Kedusha sur la terre des Rêtes Israël provoque la venue du Melech HaMashiach. Et à Emet, émettre, à émettre, ils pouvaient y arriver. Seulement, le Rahim Akadosh, lui a dit, ne fais pas ça, ne viens pas, c'est pas le moment, ne commets pas cet acte. Le Baal Shem Tov, exceptionnellement, n'en a pas tenu compte et a décidé de provoquer l'impossible. Il s'engage avec son serviteur et sa fille Odel à Yekara sur le bateau pour rejoindre Eretz Israël. Et sur leur route, ils vont s'arrêter en Turquie, et comme on l'a déjà raconté à l'occasion, eh bien, en arrivant en Turquie, ils vont arriver à, dans le vide de Kushta, et puis ils vont essayer de prendre un hôtel. Et puis, comme ils n'avaient pas le moyen, ils étaient en bas. Et que, il y avait un richissime qui n'arrivait pas à avoir d'enfants, qui les a cherchés, il les a trouvés pendant que le Baal Shemtov était, euh, 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 à, à, la bête à Knesset. Il a enfin trouvé le Baal Shemtov, et dans la suite impériale qui s'était prise en haut, il avait tout simplement installé un magnifique, euh, cédère, puisque c'était la nuit de Pessah. Un magnifique repas était là, caché la madrine de ce que mangent, justement, nos frères Ashkenazim. Ils mangent pas de kidneyotes et tout était prêt. Le Baal Shemtov, quand il est venu, vous, vous rappelez l'histoire, on l'avait raconté déjà, il a béni cet homme-là, qu'il est un Ben Zahar, il y a une batte colle qui est sortie. Comment tu as pu le bénir alors que c'était prévu qu'il n'ait jamais d'enfant et toi tu l'as béni d'un Ben Zachar? Alors tu n'as pas de monde futur. Le Baal s'est mis à danser, heureux de savoir qu'il n'y avait pas de monde futur. Et sa fille lui a dit, mais papa, t'as entendu ce que t'as dit, le ciel Il a dit toute ma vie, j'ai voulu prouver à Dieu que je ne travaillais pas pour l'Olamaba, et maintenant que j'en ai plus, je vais travailler Dieu encore plus dans la joie. Et là, il y a une batte qui est sortie et qui a dit, Ashrecha, rabbi Israël ben Eliezer, chez Ata ben heureux est ton sort, rabbi qui a récupéré son monde futur. Une fois que cet événement eut lieu, le Baal Shem Tov remonta sur le quai, et avec sa fille, et son serviteur s'engagea sur le bateau pour rejoindre Eretz Israël. Seulement à peine arrivé en pleine mer, un terrible ouragan eut lieu. Les vagues étaient terrifiantes, montaient extrêmement haut, et il sentait que le bateau allait chavirer. Et là, le Baal Shem Tov, vous savez qu'il y a une sigula de Rechagav, quand on, on a. La, je, je, je vous avais dit de garder un bout de la ficomane. Quand on garde un bout de la ficomane, c'est en plein océan par exemple. Et qu'on <coughs> jette la ficomane dans l'eau, ça calme automatiquement l'eau. Parce que quand on coupe la ficomane en deux, vous savez, la matzah du milieu, le jour de Pessah, on la fait en deux, c'est aussi en souvenir que l'ange qui dirige les océans se met au service du peuple d'Israël. En souvenir de la mer qui s'est coupée en deux. Et la reine, le Baal Tov, il voit que Bémet, à Kadush Borhu, il y a un problème dans le ciel. Il est en train de rejoindre maintenant le Rahaim sur la terre d'Israël. Et là il dit, ne vous inquiétez pas, au matelot, si la situation est si terrible, c'est à cause de moi. Alors les Goïmes qui étaient sur le bateau, les matelots, ils disent au oh, Balshemtov, mais qu'est-ce qu'on va devenir Qu'est-ce qu'on va faire On est en train de, 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 de chavirer, tout va se briser. Alors faites vite ce qu'il faut. Si vous dites que votre Dieu est en colère contre vous parce que vous avez une mission à faire, alors qu'est-ce qu'on va faire Et là, Balshemtov reçoit un message du ciel qui lui dit... On me l'a rappelé très chargement hier à Biavram Meir Ayaka quand il raconte raconté des histoires que j'avais racontées il y a déjà dix ans. Et je reviens dessus parce que son rapport avec le jour, eh bien, Balshem t'a reçoit un message du à Kodesh. Et on lui dit, c'est très simple. Dans le ciel, on est en colère contre toi. Alors, il t'a dit, c'est pas le moment. Et toi, tu veux faire venir le Machar Tu T'as deux options. Ou tu jettes ta fille à l'eau, ou tu jettes tous tes écrits à l'eau. Effectivement, chers amis, quand on voit la grandeur du Baal Shem Tov, qu'est-ce qui nous reste de lui On a les commentaires des élèves du Baal Shem Tov qui rapportent au nom du Baal Shem Tov ses enseignements. Mais on n'a pas les livres qu'a écrit lui-même le Baal Shem Tov. Pourquoi À cause de cette histoire. Et la reine, qu'est-ce qui s'est passé Odèle, elle lui a dit à papa, si Dieu t'a dit c'est où ma vie, ou tes écrits comme tu es le Meyasset de la Chassidoute, comme tu es celui qui va lancer la Chassidoute, le médicament de la fin des temps, qui grâce à ton étude, les gens vont reprendre de l'espoir, les gens vont devenir beaucoup plus souples, beaucoup plus humains, beaucoup plus sociales. Ma vie, qu'est-ce qu'elle a à perdre face à tout ça On parle de sauver le peuple d'Israël et de ma vie. Et Odal a persuadé son père, le Baal Shem Tov, de descendre, elle, dans l'océan, mais de garder ses écrits, si pur et si important du Baal Shem Tov. Et le Baal Shem Tov a fait un cheshbon. Est-ce que je sacrifie ma fille ou est-ce que je sacrifie mes écrits Et sa fille lui a dit Abba ah » elle qui était Odel. Abba, ah il n'y a pas de question. Entre moi et le peuple. Où est la question Tes écrits peuvent sauver le peuple. Fais-moi plaisir. Et pendant que parlait Odel, elle s'attache avec sa corde et elle descend dans l'océan tumultueux. Qui dès qu'elle est rentrée dedans, psss, comme un lac, tout s'est calmé. Et Odelle commence à s'enfoncer dans les flots et d'un coup, elle tire la corde et remonte de toutes ses forces. On aurait pu penser que l'océan était tellement froid qu'elle n'a pas tenu. Non, Odelle remonte avec le sourire et elle dit à son père :« Papa, papa, remonte-moi, remonte-moi. Tu peux jeter tous tes livres. » ben, très choqué, remonte sa fille et lui dit :« Ah bon ?» Et pourquoi Lui, parce que quand j'étais sous l'eau, le roi Hakodesh m'a annoncé que j'allais avoir une fille merveilleuse qui va s'appeler Féga. et que ma fille va mettre au monde un enfant dont les écrits comprendront non seulement plus de secrets, mais tout ce que tu as écrit. Ce sera Rabbi Nachman de Breslev. Donc, comme on m'a annoncé que va descendre une neshama extrêmement élevée qui écrira un livre qui s'appelle le Likutey Moran. Alors on m'a dit, c'est pas la peine, que tous les livres du Baal Shem Tov, ses enseignements, seront compris dans ce que va écrire son arrière-petit-fils. La reine, si on m'a prévenu dans les flots, c'est pas la peine que je meure, puisque j'ai mieux à faire, c'est d'apporter au monde cet enfant du nom de Fega. Le Baal Shem Tov a remonté sa fille remplie de joie, a pris tous ses livres dans son sac et les a jetés par-dessus mère, et ils sont retournés à, en Russie, Ayant compris que Béhemet, ce n'était pas le moment de faire venir le Melch Et car, Emno la Sot Mashiach, en espérant, tout comme on le fait dans la Mimouna, que la hardoute que nous avons tous ensemble, de tous nous inviter, de manger ce qui est sucré, pour habituer notre bouche à ne sortir que des paroles de miel et non pas des paroles de venin, tous ensemble, Ezra comme je l'ai dit tout à l'heure dans les Chiours, sur la Mimouna, je vous conseille vivement de voir. Ce, ce merveilleux jour de la Mimouna, où là-bas on mange une espèce de bizarrement, je dirais, cette moufleta, cette matzah d'apparence qui est 100% hametz, pour dire que, quelque part, même avec le yitzhara qu'on a tous en nous, il faut avoir l'humilité de la matzah. C'est beau récit du Baal Shem Tov bezrat Hashem que vous pouvez partager. Grandement, parce qu'il est très moussari, soit pour l'élévation de l'âme de cette merveilleuse femme germaine Maïmam Hamsa Bat Emma, pour qui elle a été racontée pour le meilleur de chacun de nous, Al Haim ben al Je vous souhaite tous les bonheurs du monde, Bezrat